Alors que nous avons un trop grand nombre d'écoliers qui, à la sortie du primaire, ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture, au XVIIIe siècle, les petites écoles de village, confiées à des régents, organisent la transmission du savoir élémentaire de manière très différente. Mais disons d'emblée que la petite école de village n'est pas obligatoire, qu'elle est calée sur les rythmes agraires, et enfin qu'elle n'est pas pérenne. Tel ou tel village peut n'offrir aucune structure scolaire pendant plusieurs années, soit parce qu'il n'en a pas les moyens, il faut payer le régent, soit parce qu'il ne trouve personne pour officier. Le régent étant mal payé, parfois en nature, c'est-à-dire en sac de grains. Lorsqu'elle a pu s'offrir les services d'un régent des écoles, lorsque celui-ci est compétent, ce qui n'est jamais assuré, celui-ci sépare l'apprentissage dans le temps de la lecture et de l'écriture. On apprend d'abord à lire, puis cela fait, on apprendra parfois ensuite à écrire. Dans les petits villages, il est fort probable que les régents aient eu déjà beaucoup de mal à faire avancer l'apprentissage de la lecture. Ces petites écoles payées par la communauté d'habitants étaient-elles gratuites ? Il semblerait qu'on ait parfois demandé une contribution aux parents, ce qui avait pour effet de chasser les pauvres de l'école. Mais il est fort probable qu'en sous-main, on ait pu proposer de l'argent ou des sacs de grains en échange d'une attention particulière portée sur tel ou tel élève. Une des manifestations sociales de la petite école du régent, c'est la création en fin d'année de pièces de théâtre illustrant les mystères de la religion. Car c'est un fait. Le piètre savoir que transmet le régent est nimbé par la religion chrétienne, le sacré et le livre. C'est dans le livre des livres qu'on apprend à lire, et ce sont des extraits du livre des livres que l'on recopie inlassablement. Une autre manifestation sociale du travail réalisé dans les petites écoles, ce sont les signatures des villageois que l'on retrouve par exemple au bas des délibérations des registres municipaux, ou au bas des contrats notariés. En voilà quelques-unes. Celle-ci semble venir de quelqu'un qui a appris à écrire suffisamment et qui, d'une certaine manière, sait écrire, même si l'on ne sait rien, de la qualité de sa grammaire et de son orthographe. Ici, par contre, la croix désigne un non-signant, qui n'a jamais appris à écrire ou qui se sent trop peu sûr pour tenter quelque chose dans ce moment solennel. Mais peut-être sait-il lire. Ou en tout cas, peut-être est-il capable d'annoncer un court texte sans en saisir véritablement le sens général au premier coup.